Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi à la fête de Saint-Luc, évangéliste, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Moïse Sabaga de la Société des Missions Africaines. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là tout près de vous.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 10 à 17. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres sur tous les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tout ce qu'il invoque en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 10, les versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint-Luc, compagnon fidèle de Paul. Il est bien l'auteur de l'Évangile et des Actes des Apôtres. Saint-Augustin disait que Dieu qui nous a créés ne peut pas nous sauver sans nous. C'est ainsi qu'il décida d'associer l'homme à son plan salvifique. Dans l'Évangile du jour, Jésus envoie 72 disciples. Ils ont à annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous pouvons ici tirer deux aspects importants de la mission. Le premier aspect, à partir du verset 4, dit ceci. N'emportez rien, ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Jésus ici insiste sur l'urgence de prêcher le royaume de Dieu. Ils ne doivent pas perdre du temps ou être distraits en route, mais se focaliser sur celui qui les envoie. Le deuxième aspect, à partir du verset 3, dit ceci. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quand Jésus donne l'ordre d'aller, il sait déjà ce qui va se passer en route. Rappelez-vous de l'histoire des 10 lépreux. Jésus savait qu'ils allaient être guéris en route quand il les disait d'aller se montrer au prêtre. Mais dans l'Évangile du jour, il dit aux disciples, « Je vous envoie, allez. » Ceci implique la nécessité et l'urgence de la mission. Vous devrez partir. Jésus savait bien les difficultés qu'ils allaient traverser. Mais parmi toutes ces hostilités, le disciple ne doit pas être découragé. Jésus, le maître de la mission, sera toujours avec eux. C'était très important pour Jésus de préparer les disciples sur ce qu'ils vont subir en mission. Tout comme Saint-Luc, beaucoup de gens aujourd'hui déjà se sont dévoués corps et âme
dans l'annonce de la bonne nouvelle. Nous aussi sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Même sans voyager, comme Saint-Luc, nous rencontrons plusieurs opportunités pour prêcher la parole autour de nous. Chaque jour, nous avons l'occasion de nous donner, de dire aux autres que Dieu les aime, de prier pour eux et partager notre foi. Tout comme Saint-Luc et comme beaucoup d'autres missionnaires, ne soyons pas découragés. Dieu est avec nous. Que Dieu, par l'intercession de Saint-Luc, nous donne à tous la grâce de participer au salut du monde. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.